donc aujourd'hui dans la rubrique Les mots pour le dire, nous allons parler du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un syndrome qui touche essentiellement les femmes et qui consiste à minimiser ses compétences, ses qualités et du coup à ne pas remplir une fonction pour laquelle on est compétente. Un petit exemple. Je suis chercheuse en neurosciences et on me demande d'exposer le développement des neurones sensoriels olfactifs, qui est mon domaine de compétence. Mais non, je ne vais pas y aller parce que je me dis, je vais dire que quelqu'un d'autre est plus compétent. Souvent, je vais solliciter un homme. Ça ne va pas. Il faut y aller, je suis compétente, je me dis non, je peux le faire. Donc, le syndrome de l'imposteur, on le met de côté et nous sommes des expertes. Je vais donner cette conférence sur les neurones olfactifs. Merci.